Salut tout le monde, c'est Largement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Portal 2 pour l'épisode 3 du jeu. Donc là, on était arrivé dans cette salle par cette porte, il me semble, avec le robot magnifique juste ici. Donc alors, si on se déplace, où est-ce qu'on peut aller? C'est une salle et on est quand même coincé toujours avec le robot. Je crois que ça fait moins de temps que la dernière fois. Avec l'intervalle entre l'épisode 1 et 2 pour le temps de jeu, là. Là, ça doit faire deux semaines que j'ai pas joué. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. Ah, c'est là-bas? Ok, bon, bah, j'y vais quand même. Je cherche pas. Je rentre quand même, mon pote. Merde, ça ferme. Non! Ah, on peut passer en... What? Si on passe en dessous, ça remonte la porte. Ok. Bon bah, rip. Si on peut pas la rouvrir après, rip. La voilà. Ah. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Où ça? Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Qu'est-ce que tu m'as dit là? J'ai pas compris vraiment Rob. J'ai pas compris. Pour ceux qui savent pas, Rob, je l'ai appelé Rob, s'il s'appelle comme ça. Sautez. En fait, à bien y regarder, ça fait loin, non? Effectivement. Vous voulez mon avis? Je saute. Ah, ça passe. Ça passe. Formule. Merde, qu'est-ce que... Vous m'avez agrippé, tout va merde. Bien. Merde. Rudement bien, même. Mais non, j'étais nul. J'ai visé le bas, donc c'est toi qui a chuté en premier. J'aurais dû viser le haut pour t'avoir en haut. Bon, ok. Alors. Ah, tu viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah, j'ai recommencé. Putain, mais fais pas croire que t'as ça, peur à ce point. C'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant. D'accord? Et vous allez me dire que je répète, mais surtout, ne touchez à rien. T'es sérieux? Vous voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. On le connecte. Ah, ok. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors. On va monter, cherche pas. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Qu'est-ce qui se passe là-haut? On devrait nous ralentir. Non, c'est mieux le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. De quoi? Arrêtez ça. Putain. Il y a un mot de passe. Merde, on est bloqué. What? Non. Non? Ok. Mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez-le. Mise en marche terminée. Bon, alors changement de programme. Putain. Comme si de rien. Il y a le robot là en plus. Bonjour. Tiens. Ah. C'est vous. Non, c'est pas nous. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, ah bon, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? What? Merde! Non! Non! Mon portail est tombé! Vous et moi, nous avons non. Des choses que vous allez regretter. Mais quel salaud! Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté. Rob! Bien de la science. Sale monstre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis le mec qui l'a tué. Vous vous êtes donné la peine de me réveiller. Ouais. J'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends. Ah. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Lequel? Je dois mourir avant, c'est ça? Ah, non, ok. Alors, c'est une transition sans... Oh, un rayon. À quoi sert? Ouh! Ils vont nous afficher, c'est un truc du chargement, je crois, ils nous affichent autre chose après. Je vais rester quand même dessus au cas où. Ah voilà, parfait. Oh putain. Est-ce qu'il faut éviter? Non, c'est pas un dé à coudre. Il y a le trajet qui est fait de base.
Putain. Ah ouais. Oh mon dieu. C'est galère. Aïe. Ça fait un peu mal. Ouais. Incinérateur. Ok. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Alors. What? C'est quoi? C'est quoi ça? Ok. What? Il faut faire du jump. Oh mon dieu. Non. Aïe. Putain. Ok. On peut passer par là, on est... Ok, ouais. On glisse pas en fait. D'accord. Ah, on a un passage. Ouais, ok, ils nous ont fait un passage là. Comme ça, on peut arriver juste là. What? C'est quoi ce truc? Ok, je sais pas du tout ce que c'est, on va avancer. Ok, on avance. Plus loin. Le voilà. Oh! Putain. Ok, ouais, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, bien, vous avez le double générateur de portail. Ouais, ouais. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Oh, yes. Yes, on a un double maintenant. Avant, on avait juste un solo. Crée un portail orange. Oh, yes. Là. Parfait. Hop. Après le début des tests, nice. Le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Ah. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Ok. Double portail. Comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Putain, mais c'est trop bien le double portail, les gars. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, et ça qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Ah oui, ok. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Ok, on avance. Il y a un portail. Nice, on peut créer un portail. Ok, là. Oh! C'est intéressant. Oh yes, c'est vraiment très intéressant. On peut passer à travers les murs, on est d'accord, ouais. Là, ok. Qu'est-ce qu'on... Non, on n'a rien là. C'est une nouvelle salle, ça. Oui. Ne bougez pas, je vous écoute ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu. Vas-y. Avec moi. Et maintenant, j'ai un peu peur. Vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Ok. C'est un peu sadique. Bon. D'ailleurs, je sais même pas où est passé l'autre narrateur. Donc là, on est avec ce robot. Cette femme. Je crois que c'est une femme, ouais. Ouais, vu que l'autre robot a une voix d'homme, donc ils ont pas des voix spécifiques à... Enfin, ils ont des voix spécifiques à un genre. Démarrage à fond. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, il est toujours là. Parfait. C'est de nouveau opérationnel. Oh. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Merde. Laser mortel. Oh. Attends. Laser. Merde. Comment on fait? Ah putain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que. Oh! Tu vas me dire que je suis obligé de passer par un laser, c'est ça? Hop. Aïe. Merde, je suis où? Je suis
Non, je suis pas arrivé. Oh, attends. Il y a un... J'ai pas envie de faire un truc mauvais avec ça. Ah, Dak. Je crois que j'ai compris un truc. Ouais. En fait, il faut diriger le laser. Est-ce qu'on peut le diriger? En fait, j'ai envie de le diriger à un endroit spécial qui est... Merde. C'est ce portail-là. Ça fait quoi si je saute et que je le touche? Ok, ça fait du mal. Donc ouais, il faut essayer d'en envoyer un. Logiquement là, en fait. En réalité. Et l'autre, il doit être là, comme on a dit. Mais ça me paraît bizarre, quand même. Là, peut-être. Non, le laser ne vise pas au bon endroit. Ici, il vise là. Il doit pas viser tout là-bas. Non. Ah! Si, ok, j'ai compris. Il doit viser là-haut. Voilà, il alimente l'autre. Ok, oh, génial. Ah, mais oui, attendez. Il faut le mettre après le portail. Voilà, on en met un autre là. Parfait. Et là, du coup, il faut qu'il vise en haut. Voilà. Vous débrouillez comme un chef. Yes. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Ok, alors. Prochain portail, enfin, niveau, truc du genre. En vrai, c'est plutôt, c'est cool le truc du portail comme ça. J'ai aimé le laser, en fait. C'est une nouvelle mécanique qu'on apprend un peu. Donc, si on l'a après, encore, la prochaine fois comporte des cubes anti-découragement. Okay. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir. Anti-découragement. Ouais. Attends. Ah ok, on est d'accord, ça fait hyper mal. Est-ce qu'on peut en mourir? What? What? Ah. Ouais, on peut en mourir. Ok, j'aurais pas dû. Je voulais tenter ma vie, vu qu'on voyait pas trop où est affiché notre vie. Je voulais tenter le coup. Ah bon, ok, on respawn juste avant. Comporte des cubes. D'accord. Anti-découragement. J'ai compris, je connais. Quand vous avez fait votre Allez hop. Petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Nice. Oh. Il doit y en avoir dans le coin. Eh ben écoute, on a un portail. Pas là. Merde. C'est le même type de portail, j'ai l'impression. Ah, quoique. Là. Non, ouais, ok. D'accord. Oh, il y avait un truc là-haut. Je vais aller voir en mode safe. Ouais, moi j'y vais en mode safe. C'est quoi ce truc? On peut pas le prendre? Oh, si on peut! Ok. Là. C'est ça. Et on le met là. Parfait. Ouais, on rentre là-dedans. Merci. C'est quoi ce truc déjà? Ok. Ça permet de débloquer ça. L'objet, à part ça, il n'y a pas une autre utilité. Là, le mettre là-dedans, c'est obligé. Là, il faut le mettre là-dedans, non? Moi, je te dis que là, on doit l'insérer là. Vas-y, insère-le. Non, on peut pas. Ok. Mais la robe, putain. Où est-ce qu'on peut l'insérer? La... Je sais... Si on le pose là... Comme ça... Ça bloque rien. On est d'accord, il bloque rien. Il faut le poser... Voilà, comme ça.
peut-être un peu plus, un peu plus loin. Voilà. Voilà, le poser comme ça. Mais à part ça, je sais pas à quoi il sert. Ouais, je vraiment j'ai une idée de à quoi il sert. Donc on a aucun portail à poser là. Là non. Ah, on a un bouton là-bas. Ok. On doit probablement avoir des trucs à poser là-bas. Non, on peut pas poser de portail. Le laser, il doit peut-être atteindre ça. Je suis pas sûr. Ah, ok. Est-ce qu'on peut dévier le laser? Est-ce qu'on peut le dévier? Ça, ça sert à le bloquer. Maintenant, il faut voir si on peut le... Aïe! What? On peut pas... Ah, ok. C'est juste ce qu'on voit là. En vrai, il est pas en train de le bloquer, ok. Où est-ce qu'on peut le déposer? Là, il y a rien. Attendez, croix. Ça représente quoi, ça? Ça. Par ça. Il y a un truc là-haut. Je... Oh, on a un cube là-bas. Oh, on a... On a... un cube qu'on vient de récupérer. Et là, on a un bouton à appuyer. Et... Ah! Laisse-moi aller ici, du coup. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok. Il y a un petit souci. Oh, non, c'est bon. Il n'y a pas le moyen de le mettre sur le mur. Ouais, non, ok. Ça ouvre quoi, ça? Ça remet un autre bloc, ok. Je vais le poser là-bas. Merde, c'est le bleu à poser là-bas. Voilà. Allez, hop. Parfait. On va avec le cube. Du coup, le cube. Ah, ah. Ça, c'est intéressant. Le cube, il va pouvoir nous dévier ce laser vers là-bas. Ah là. Si, c'est ça ce qu'il nous fallait, c'est le cube. Et là, si on lâche, si on laisse appuyer, on peut monter. Donc là, voilà, il faut juste sauter au-dessus. Putain, j'ai eu peur. Sauter au-dessus. On a un autre objet qu'on a oublié. Cet objet. On le prend avec nous. Je le prends avec moi parce que je sais pas ce qu'on doit en faire. Aïe. Putain, c'est galère. Merde, je l'ai abandonné sur les marches. Bon, on reprend. Et... Bravo. Ah. Voici les résultats des tests. Ah non. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce que j'ai marqué. Affreux. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Le cube. Le cube. Où est-il? Ah, il n'y a pas un mur. Ouais. Merde. Ok. Ok, je vois. Là, 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 là. Aïe. Voilà. Aïe. C'est ça ce qu'il nous fallait, voilà. Il navigue entre les deux. Mais voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Je suis un peu décédé, on va dire. Là, on laisse ça là, hop, on prend ça, on le pose là, voilà, ça, bah, on peut le garder avec nous. Ah, il s'est fait désintégrer, ok, c'est parfait. Bon, je me suis pris un peu de dégâts quand même, mais ça va, c'est pas énorme non plus le nombre de dégâts, on va pouvoir survivre. Donc, ah, bah voilà, donc c'est là. Fin de la vidéo pour l'épisode, c'est assez long à ce que je viens de voir. Ne laissez pas l'argument, quelqu'un d'affreux, ouais, vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique.
Ok. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Je sais pas s'il y a moyen de mettre des portails pour me voir. Non, je ne vois pas d'endroit pour mettre des portails. Et si on avance, bah on ira dans une nouvelle salle, donc c'est pas trop le but. Donc voilà, donc c'est la fin de l'épisode 3 de Portal 2. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like. Une vue égale un like, c'est important pour le développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à du coup à merde, on est quel jour? On est vendredi. Donc à après-demain et puis peut-être demain aussi, je sais pas. Parce que demain en fait j'ai prévu, j'ai dit ouais je vais faire l'intro, la nouvelle intro, etc. Bon, il se trouve que j'ai eu pendant plusieurs semaines plein d'euros d'examen, donc je vais pas pouvoir la sortir demain. Mais vous en faites pas, elle sortira plus tard, une semaine plus tard, ou je sais pas, je verrai, mais elle sortira en tout cas avant fin juin normalement, fin juin maximum. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo et moi je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Largo, et pour me faire pardonner, demain je sortirai une vidéo en plus normalement. Donc à demain, tchuss.